Sylvain Bartholomeu, dirigeant associé du cabinet Franchise Management, qui est un cabinet qui a 30 ans d'ancienneté, donc qui accompagne depuis 30 ans des futurs réseaux ou des réseaux de franchise, et qui a accompagné donc plus de 300 réseaux organisés de toutes formes et de toutes tailles. Nos clients vont de quelques points de vente, quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires, à plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires et jusqu'à 5000 magasins dans le monde. Ça veut dire accompagner à créer un réseau. Donc je veux devenir franchiseur ou monter un réseau de franchise, j'ai un concept. Ça veut dire aussi optimiser des réseaux, parce qu'en fait, au fur et à mesure du développement d'un réseau, on peut atteindre des paliers, avoir besoin de le restructurer, de le faire évoluer. Ça veut dire aussi aider à recruter les talents qui vont faire la réussite du réseau demain. Pourquoi on vient chez nous? Déjà, première chose, c'est 30 ans d'expertise et de recul sur le marché, donc c'est une forte hauteur de vue. C'est plus de 300 enseignes accompagnées, donc c'est une vue du cycle de vie d'un réseau et c'est donc une dimension stratégique qui est fondamentale dans la réussite d'un réseau. En fait, le marché des réseaux est de plus en plus concurrentiel. Moi, je compare toujours ce marché-là au marché du sport. La compétition, il y a 30 ans, on ne la faisait pas de la même manière qu'aujourd'hui. Quand vous entriez sur un terrain il y a 30 ans, le talent pouvait suffire. Aujourd'hui, il n'y a plus que le talent. Il faut le talent, mais aussi une forte préparation et une capacité de remise en question systématique du réseau. Venir sur ce marché-là avec une nouvelle offre de franchise, ça peut être de plus en plus complexe. Et en fait, il y a deux dimensions. Il y a la dimension concurrentielle qui est importante, mais il y a une autre dimension qui est importante, c'est que les modes de consommation évoluent énormément. Donc, anciennement, on pouvait développer un réseau sur la base d'un concept établi. Aujourd'hui, vous créez un concept, vous développez votre réseau, mais vous devez aussi faire évoluer votre concept en permanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que manager un réseau, c'est être capable de le faire bouger, de le faire innover, tout en le développant. Donc le métier devient de plus en plus complexe, de plus en plus concurrentiel. C'est nécessaire d'enrichir en fait ce qu'on appelle le métier de franchiseur, de le perfectionner au fur et à mesure pour garantir l'attractivité de son réseau au quotidien. Partenaire du forum franchise, nous on est là depuis la première édition qui avait lieu à la Corbeille à CCI. Voilà, donc on est très attaché en fait à faire de Lyon une étape incontournable de la franchise. On a aussi beaucoup travaillé avec l'IAE pour monter en fait un cursus en master pour former les futurs talents, développeurs, animateurs de réseaux qui feront les réseaux demain. Et donc voilà, donc on travaille à ce que Lyon soit une place forte de la franchise avec la CCI, qui est un remarquable organisateur de ce salon-là, et avec toutes les bonnes volontés qui veulent aider à développer ce marché.